Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkan. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 71 de mon Let's Play sur le jeu. Les royaumes d'Amalur, Reknakning. Après avoir tourné l'épisode 70 avec Kunel, on se retrouve au même endroit. Et je vous reprends pour visiter toujours la plaine d'Eratail. Et surtout, Talalané, où y est bébé. Et donc avant d'aller voir les Jotun, on va aller par là. Parce qu'il y a des plantes, mes amis. Il y a des plantes. Et on va devoir aller manger les plantes. Ouais, ouais, ouais. Et surtout récupérer les coffres, c'est surtout ça. Ouh, yeah, bébé. Ouh, j'adore ouvrir les coffres difficiles comme ça du premier coup. Je trouve ça épique. Oh. Bon, on a encore une plante qui est buggée. Hallelujah. Très bien. Bon, continue, je sais pas vous, mais moi je suis motivé pour cette session de labour. Par contre, j'ai toujours qu'un morceau de mon de vêtement et j'aimerais bien voir la suite, quoi. J'en ai marre de me trimballer en paysan, hein. En tout cas, c'est beau. Voilà, je l'avais pas dit dans l'épisode 70, c'est beau. C'est beau. Ok. On va y aller en mode bourrin. On va y aller vraiment en mode bourrin, vous allez voir. Voilà. Attention. Aïe. Voilà. On spamme le bouton. Aïe. Bon, tant pis. Putain, non, allez. Ah, oh, mince, je vous ai raté à cause de lui. Oh, je suis déçu, là. Hey, ça va. Enfoiré. Ça y est, je suis pas content. Voilà. C'est dit, je suis pas content. J'ai raté mon truc à cause de lui. Enfoiré. Moche. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Aïe, madame. Voilà. Moche, moche et moche. C'est dit. Ils sont moches. Les mortels combattirent dans les châteaux et sur les collines. Les serviteurs du clan des Aster se partagèrent les restes. Ils s'appelaient Ratofer, Kent et Skait. Ils cachèrent leurs pierres et leurs métaux sous leur forteresse et en firent leur foyer. Ils amassèrent des trésors et laissèrent les saisons éroder leurs remparts et leurs volontés. Ok. Je suis un tout petit peu perdu, voilà, je tiens à vous le dire, mais si vous ne saviez pas, je suis légèrement perdu. Allez, on y va, on avance. On n'est pas peur. Qu'est-ce que... Doucement, il y a Bambi qui fait dodo. Ding, 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 ding. Ting 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 ting. Bon, j'en ai eu deux sur aïe, cinq. J'en vas. Raté.
Et on s'en est vraiment très bien sorti, hein. Vraiment très très bien. C'est quel bébé? Voilà, c'est quel bébé? Des choses toutes pourries. Alors où est-ce qu'on est? On est bientôt à l'entrée du truc. Arcade, ce que tu dis n'a pas de sens. C'est pas grave. On est bientôt arrivé à l'entrée de Kandriyan. Voilà. Vous voyez? C'est un nouveau secteur. Qui a l'air d'être trop épique. Et on va pas y aller. On continue à Talalaneh. Nous avons beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire. Voilà, Sid. Yeah. Tuer Castor Man Rouge. Récupérer les factures. Oh là là. Trop de choses à faire. Alors, donc on pouvait grimper par là. Il y avait l'air d'avoir du people. Ouais. A priori, il est mort. Ou pas. Ou alors... Il les a tous tués, je sais pas. Ce mec est bizarre. Mais moi je récupère tout. Oula, c'est quoi ça? C'est un bouclier. Oh, nickel. Yeah. Excellent. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, dis donc. Ah, il faudrait que je teste. Voyons voir s'il y a une attaque... Non, il n'y a pas d'attaque. Ok, bon, c'était pour tester, mes amis. C'était pour tester. Ok. Du coup, toi, t'es qui? Salut! Ah, t'es... Une résonance pyroclastique. D'accord. Une température corporelle très élevée et de la terre fraîchement brisée. Ouais. Ah, veuillez pardonner mes manières. Je suis le contact que vous cherchez. Jubal Calidus, archisage de la Scolia Arcana. Quoi, t'es archisage? Auriez-vous l'amabilité de préparer votre arme? Je pense qu'on s'apprête à nous attaquer. What? What about... Ok, merci madame. Attention! C'est génial ce truc! De 1. Oui, je spamme le bouton, mais je trouve ça trop classe. Ok, mais j'ai rien compris. Ok. Melaglir, tu peux m'en parler un peu plus, vieil homme? Bien que niché dans le... Voilà, je te vois plus là, t'as bugué. Donjon de Kandriyan, Melaglir semble aujourd'hui abriter un prédateur. Essayez de parler aux villageois pour découvrir ce qui est arrivé à l'adepte Fel. Si okay. Vous ne vous dépêchez pas de découvrir la cause du problème, vous n'aurez peut-être plus personne à interroger. Ok. Kandriyan. Pendant des siècles, les hauts seigneurs de Kandriyan ont maintenu une paix fragile grâce à la magie et l'épée. Mais les temps ont changé. C'est désormais une terre gouvernée par la peur. Faites preuve de prudence sur ces routes. Ok. Donc c'est toi le grand patron en fait. Qu'est-ce que tu fous là, le grand patron de la Scolaire Arcana? Voilà. Mon rang vous fascine. Ouais, c'est ça. Un petit peu.
Vous aimeriez être à ma place un jour. Bah pourquoi pas, tiens. Croyez-moi, ce n'est pas aussi agréable qu'on pourrait le croire. Oh, allez, vas-y, c'est toi le patron, là. Aethan et moi avons passé nos épreuves initiatiques ensemble. Il est mon plus fidèle savant. Il n'a pas été choisi pour être votre mentor sans raison, néophyte. Profitez de sa sagesse. Ok, et qu'est-ce que voilà. Tu vas faire quoi, du coup, maintenant? Je n'ai pas l'habitude de répondre à des questions. Même pas à celles de nouvelles recrues aussi prometteuses que vous. Occupez-vous de votre tâche, néophyte. Et prenez garde à ne pas sous-estimer ce qui a attaqué l'adepte Fell. Oh, ça va, Poupi. Je penserai à vous. Bah moi, je penserai pas du tout à toi. Je fais ce que je veux. Avec mes cheveux. Poupidoupidou. Ok. Voyons voir. Alors par là, ça remonte. Par là, on dirait qu'on redescend. C'est étonnant ça, je croyais que les... Ah, peut-être... Non, j'avais peut-être pas pu récupérer les coffres parce qu'ils étaient en hauteur. Bah... Wow. J'ai fait un de ces sauts, moi. Poupidoupidou. Tiens, on va aller voir la quête qui est là-bas et on verra ce que ça donne. Histoire de se faire une idée. Il y a des Fire Gorta. Ouh, il y en a beaucoup. Raté. Couchez la bête. Attention. Boum. Allez, couche. Ah, aïe. Fait mal, madame. Et youhou. Marquette, tu devrais changer ton arme. Non, c'est pas une armure. C'est pas une arme unique. Oui, mais ton arc aussi, c'est pas une arme unique. C'est pas grave, j'en ai pas. Yo! C'est assez classe, hein, quand même, malgré tout. Ah, j'ai pas cette magie! Voilà. Piou! On s'en est sorti. Non, encore? Oh, tu déconnes. Allez, hop. Et un coup de couteau dans les dents, ça permettra de bien... de se faire du plaisir. Allez, on continue l'aventure, j'ai dit, on continue l'aventure. Non, mais sans blague. Alors, là, il y a un arbre. Alors, c'est moi où il y a un coffre dans un... Je sais pas. Voilà, c'est dit, je ne sais pas. J'adore ouvrir les coffres, je vous l'ai déjà dit. Surtout quand ils sont comme ça. Encore un coffre des Asters que je peux pas ouvrir. C'est assez relou ça. Ok, on a déjà été par là. Ce qui m'étonne, c'est qu'un. Non, c'est pas grave. On revient au tout début et on va partir par là histoire de se mettre à jour. Sort de bien visiter Tala l'année, on s'en souvient. Faut pas rater. Vas-y! Ouh loulou.
Oh non, les étines à coucher les bébés. Coucher, coucher. Et... coucher. Voilà. Youh. Grosse bête, grosse bête. Hein. Mais sans blague. Voyons voir. C'est ici là qu'il y aurait. Ok. Bon, jusque là, t'as la lanée, on s'en sort bien. On s'en sort plutôt bien. Arcane, t'as déjà récupéré les fleurs. C'est pas grave. Cette zone est vraiment très grande, donc je suis un petit peu perdu, je vous le cache pas. Ici, c'est la zone, c'est la truc qui a bugué. Ok. Et là, c'est un camp. Ok. Là-bas, il y a la truc. Ok. Ok, ok. Alors, j'essaie de me repérer. Hein. C'est, comme je l'ai dit, c'est assez compliqué de savoir. Elle est un peu tortueuse, puisque ça monte, ça descend, c'est à droite, c'est à gauche, c'est au milieu. C'est tout ce que vous voulez, mais c'est un petit peu embêtant. Bonjour madame. Les combes et les veaux de Talarané sont désormais à l'abandon. Les grandes citadelles qui se dressaient jadis fièrement sont en ruine. Autrefois pures, elles ont quitté ces terres, y laissant l'empreinte du péché des mortels. Ok. Donc on a trouvé toutes les pierres de Talarané, hein, si vous avez entendu. Tant mieux. Tant mieux, je dirais. Et par là, il y a l'air d'avoir un trésor, là. Oh oh. Je spam les boutons, ça fait peur. Ok, donc il y avait un antre de loup. Ok, bon bah nickel. Voilà. Voilà. Rien de bien intéressant. Bon, on peut avancer sereinement dans cette aventure qui nous faut les jetons. Le marin. Ok. Où est-ce qu'on va dans tout ça, moi? Oh là 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 là, il y a trop de trucs. Ok. Je ne l'avais pas vu pour vous dire. Je me posais la question. Et yo, on continue. On va essayer de. Je vais essayer de terminer dans un peu Talarané dans cet épisode. Au moins sa visite, hein, je parle. Il y a un méchant, il veut me parler. Je l'ai esquivé. Hi-haw! Je l'ai esquivé. Putain. Je fais un peu le tri. Hop. Torse. Tête. Accessoire. Consommable. Non. Voilà, je jette. Ça c'est... Tiens. Voilà. Bouteille de vin, brassard, facture, fiole de crudoc. Ah, c'est des crudocs que je dois tuer. J'ai trouvé une relique, ça veut pas. Ok. Bon, très bien. Bric-à-brac.
Voilà. Au moins, ça permettra, je revendrai ça dans le prochain épisode. Enfin, avant le prochain épisode, dans tous les cas. Histoire de se faire... Il y avait une... Ok, d'accord, merci. Très bizarre ça. C'est très très bizarre. On va aller voir le monsieur là-bas pour voir ce qu'il nous dit. Histoire de se faire une idée dans cet épisode où il se passe absolument rien. Salut. Salut. Une autre âme qui s'aventure dans ces maudites rocailles. Je présume que contrairement à moi, vous êtes ici de votre plein gré. Exactement. Alors parle-moi. Je ne suis pas particulièrement attaché à cet endroit. Mais bon, je ne suis pas venu ici par choix. Ouais ? Niam Kent, descendant des Kent de Rathyr, à la tête d'immenses fortunes gaspillées. Je ne suis pas du genre à vanter les mérites de ma famille. Alors je vous saurais gré de ne plus me poser de questions. D'accord. Famille Kent, tu peux m'en parler ? Ma famille était autrefois très influente à Talaranay. L'un de mes ancêtres a même servi comme commandant dans l'armée des Asters. Mais c'était super. Il y a bien longtemps. Nous ne sommes plus beaucoup maintenant. Il y a moi et ma sœur Nameria qui n'est jamais bien loin. Elle préfère me surveiller de près. Ok, et donc tu fais quoi ici ? Ah, mais permettez-moi de me présenter. Tu l'as déjà fait. Je suis Niam Kent, des Kent de Rathyr. On s'en fout. Jure-l'âme du vénérable ordre des engagés. J'ai été chargé d'éradiquer les monstres qui rôdent dans Talaranay. Jusqu'au dernier. Seul. Une mission qui devrait me prendre à peine quelques décennies. Ouais, ça a l'air d'être épique. Je ne suis pas fait pour le terrain. Et je suis assez riche. Si vous pensez être à la hauteur de la tâche, je vous paierai pour tuer ces monstres. Bon allez, je le ferai. Excellent. Si vous vous dépêchez, on pourra se noyer dans les chopines bien avant le festin de l'hiver. Il y a dans ces ruines plusieurs kobolds qui représentent une menace, et il serait préférable de les tuer. Vilgriff est un guerrier. Cri Noir fait partie de redoutables lames noires. Et le roi Crow est ce qui se rapproche le plus d'un chef pour les kobolds. Ok. Le commandement de Helmgard m'a chargé d'éradiquer les monstres de Talaranay. T'es une saloperie, c'est moi qui dois faire tout le boulot. Poste, si vous voulez mon avis. Mais Helmgard pense que ce travail sera une... compensation pour mes actes passés. C'est-à-dire ? Je fais partie des engagés. Je suis lié à mon devoir par serment et je sers le commandement de Helmgard. Ok. C'est Helmgard qui m'a, comment dire, réaffecté à Talaranay pour éradiquer les créatures qui infestent ces terres. Pour la fortune que vous empocherez, sans compter la gloire. Ne craignez rien. Vous les trouverez en train de rôder quelque part dans ces ruines. J'ai pas envie. Bien. Alors là. Tuer les trois kobolds. Tuer les trois kobolds. Et tuer les trois kobolds. Waouh. L'air d'avoir des tonnes de trucs à faire. Voilà, on fera ça après. Sûrement dans le prochain épisode, mes amis. Oui. On ira à la chasse aux kobolds dans le prochain épisode. Un point, c'est tout. Ok. Ok. Je crois que j'ai encore trouvé plein d'autres trucs. Oh là là. Encore des tonnes de machins à faire. Oh là 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 là, y a trop de trucs, y a trop de trucs. Bon, et ben ce qu'on fera, c'est qu'on va s'arrêter ici, hein. On a pris pas mal de quêtes, on a pas mal avancé dans Talaranay. On se balade. On a des grosses quêtes de tuage de kobold dans les prochains épisodes qui nous attendent. Je vais essayer de faire ça dans le prochain, dans l'épisode 72, donc ne le manquez sous aucun prétexte. Il y aura du combat, il y aura du sang, il y aura de l'action, il y aura de l'amour, de la violence, et il y aura tout ce que vous aimez chez Blarkan. Donc en attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire, ou de partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous souhaite en tout cas tout plein de bonheur, n'hésitez pas. Je te l'ai déjà dit, oui je sais, j'étais en train de bugger.
Et donc, bah, je vous dis à ciao tout le monde. Allez, bye bye. On va aller partir à la chasse au kobold. Yep, Pearl, à l'attaque.